je déteste. Oh. Oh, c'est dur. C'est vendredi. Allez, j'ai lancé mon jeu un peu à la bourre. Super. Je suis vraiment pas en forme ce soir. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va. Enfin, pour l'instant, ça va. On me dit qu'à mon avis, demain, je serai en pleurs, mais ça va. Comment vous allez? Salut Nico, salut Amandine, salut Hilo. Est-ce que vous avez la patate ce soir? Ouais, on est en forme. On est vendredi, la vie va mieux. Non, je me suis peut-être un peu emportée sur la vie va mieux, quoi. Hop. Ça va et toi, bonne journée. Bonne journée, jusqu'à ce que je remarque que... en fait, je fais mes courses le vendredi, tu vois. Et la semaine dernière, j'avais l'impression qu'il y avait une tache sur le parking du supermarché, qu'elle n'était pas là avant, mais j'étais pas sûre. Et après, j'ai oublié de regarder. Et là, je me suis garée, je me suis dit, putain, regarde s'il y a une tache quand tu reviens de tes petites courses. Je regarde sur la place, propre la place. Je reviens de mes petites courses, il y avait une flaque. Ma voiture fuit. Du coup... Évidemment, j'ai un garage juste à côté, les mecs ils pouvaient pas me prendre avant lundi. Sauf que lundi 9h, je suis là, ouais, je suis déjà au boulot moi les gars en fait. Donc du coup, je devais le déposer lundi soir pour mardi, ça m'a saoulé. Du coup, je vais retourner à Croix dans mon ancien garage qui est celui de Midas. Rendez-vous à 9h30, un samedi. Un peu mal au cul quand même. Mais ils peuvent prendre ma voiture et j'espère, Dieu du ciel, Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît, que ce sera pas trop cher. Je vous avoue que je viens de toucher mon salaire, j'ai pas envie qu'il parte directement, tu vois. En plus, est-ce qu'on peut admirer ce magnifique shtar? Il a poussé dans la nuit, mais un truc de bâtard. Genre ce matin, tu vois, moi il faut savoir que je me nettoie le visage le matin et le soir. Donc ce matin, tout, je me lave le visage, je passe ma main, là je fais ah! Je regarde, bouton. Mais il fait trop mal, il fait trop mal. Il a poussé. Et regardez, en plus, on le voit bien. Il ressort encore mieux à la caméra, je trouve. Il est dégueulasse, salopard. Il me fait trop mal. Dans la nuit. I don't understand, je sais pas ce qu'il fout, là, lui. Clairement en train de prendre position, hein. Je sais pas ce qu'il fout, mais il est content de vivre. Donc, bon. Voilà, super. Je kiffe ma vie. Un grand bonheur. Salut Davox, comment ça va? J'ai l'impression que mon YouTube est déjà merde. Je reçois pas vos messages au fur et à mesure. Ça commence. Salut Aurore, comment ça va? Mais bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. Du coup, voilà. À mon avis, demain, je sais à quelle sauce je vais être mangée. Sachant que ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai juste pris mes billets d'avion pour aller à Montpellier. Et j'ai pris mes billets de train pour aller voir une copine qui habite dans le sud. On est eu en gros pour 120 balles de transport, de vacances. Et demain, je vais savoir à quelle sauce je vais être mangée. Je vous avoue que je stresse. Parce que les voitures, tu sais, tu pries tellement fort. Genre, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît. Parce que t'as pas envie que ça te coûte cher. Parce que les voitures, le prix, en fait, le prix, ils montent tellement vite dans les voitures, dans les réparations de bagnoles. En plus, ça vient de passer les 200 000 km ma voiture. Alors ça me saoule, tu vois, qu'elle me fasse ça. Alors que moi j'étais là, genre tous mes potes ils me disaient « Ah, il y a que des problèmes avec ma voiture », moi j'étais là genre « j'ai pas de problème, j'ai juste les pièces d'usure à changer » et là, bla ! Problème. C'est pour ma poire. Habsdoula là, c'est dégueulasse chez eux là. Ouais mais le gosse en même temps il fout toujours le bordel. Remplir... vider la gamelle ? Je vais peut-être pas remplir par-dessus du caca. Allez! Allez, Tritri, vas-y, mon petit! Il va tout nettoyer, puis il repartira se coucher, hein, écoutez. Morue, là. Peut-être un petit peu bosser, toi. Là, oui, c'est vrai, on n'avait pas réussi à avoir une petite promotion, malgré cette petite performance excellente, hein. Oui. Observez le ciel. Ah, oh, c'est pas observer les étoiles, hein. C'est pas intéressant. T.
Voilà. Bien-être. Parce que c'est ça, en gros, qui nous reste à atteindre le niveau 10 de la carrière. Bon, ça, c'est raté, les enfants, on va pas se mytho. Et bien-être, atteindre le niveau 10. On est niveau 6. Ah, y a moyen, hein. Y a moyen, y a moyen. Dieu des voitures, ne me fais pas payer trop cher, s'il te plaît, je suis une personne bien. Mais c'est tellement ça! Hop! Elle reste en forme quand même, je trouve, hein. Pas mal, hein. Pas mal, c'est pas mal. J'ai bien aimé ta vidéo préparation de repas, ça donne des idées. Ah, je suis tellement contente! De toute façon, je sais, c'est pas le genre de vidéo qui va être le plus regardé sur ma chaîne. Par contre, c'est toujours ces vidéos-là où j'ai le plus de retours en termes de commentaires, de likes pour le ratio vue-like qui est toujours super bon sur ce genre de vidéos-là. Et j'ai toujours des putains de bons commentaires. À chaque fois, vous me régalez, les enfants. Les commentaires sont toujours super cool. Salut Zoé, comment ça va? Donc bon. Je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, t'as pas remis ta gamelle! Pauvre bête. Le marmot, il est réveillé. Oh, et ça pion, ça, dis donc. Ah, ça grandit beaucoup ici, à cet âge-là, c'est normal. Oh, bah bodyguard qui revient. J'ai l'impression que c'est à... Oh! Lève-toi, toi. J'ai l'impression que Bodyguard, c'est un live sur deux. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vois pour remettre Nightbot. Hein. C'est un peu relou. Hop là! Yes! Mumu va passer le niveau 6. C'est ouf parce que même quand ils sont vieux, on voit plus trop leurs abdos. Alors que wesh, si t'as un bon... Si tu restes musclé, même en devenant vieux, hein. Pas forcé de devenir gros. Hein. C'est vraiment le dernier live? Le dernier live de la chaîne, non. Le dernier épisode de Mulan, oui. C'est marqué dans le titre. Pas pour rien. J'aime trop la malbouffe, friture et plats préparés micro-ondes pour regarder des préparations de plats. C'est sans doute le commentaire le plus triste que je n'ai jamais vu dans un de mes lives. Mais vraiment. Je vois pas en fait en quoi... Manger de la friture t'empêche de bien manger à côté en fait. Enfin, enfin, j'adore les frites, tu vois. C'est pas pour autant que je me dis, ah ouais, non, j'adore les frites, j'ai pas envie de regarder quelqu'un juste, je sais pas, découper des oignons, tu vois. Enfin, y a pas d'intérêt. Encore plus quand tu me dis, j'adore manger les trucs préparés au micro-ondes. Mais est-ce que t'as déjà goûté de la bonne cuisine pour dire ça? Non, parce que je suis désolée, mais entre un truc qui est préparé. Industriellement et fait à la main, enfin il y a une telle différence de goût, de saveur, que je sais pas, à mon avis, t'as jamais goûté quelque chose de fait maison en fait. Parce que mon ex, typiquement, il kiffait genre les lasagnes toutes faites. Frère, je mangeais ça et j'avais l'impression d'être triste, tu vois. Je mangeais ça, j'étais dégoûtée parce que je savais que c'était de la merde, que c'est, il y avait plein de sel, plein de gras, et en plus c'était pas bon quoi. Enfin, les lasagnes de ma mère fait maison et les lasagnes industrielles. C'était même pas un monde qu'il y avait, c'était même pas un gouffre, c'était un univers en fait, en termes gustatifs. Tu vois? C'est chaud, hein? Hop! Allez, on va faire le pipi. Salut Anna, comment ça va? Super! C'est un miracle si elle s'en sort. J'aime pas le reste. Le reste. T'entends quoi par reste en fait? C'est pas comme si on était en France et qu'on avait une gastronomie hyper variée quand même. Enfin, encore plus aujourd'hui avec l'ouverture mondialisation et compagnie. Enfin, tu trouves plein de restos genre asiates, orientaux. On a plus à manger? Chier! Ah non, on n'a plus rien. Shang peut désormais utiliser le pot. Yes. Enfin une bonne nouvelle. Voilà. Mais pourquoi il n'a pas pris sa douche? Dis donc.
C'est bizarre ça. Alors soit j'ai oublié de le faire, soit ça a zappé. J'ai l'impression que ça bug des fois ma salle de bain, je sais pas pourquoi. C'est pas la première fois qu'ils zappent la douche. Tu as une nouvelle idée de let's play après celui-ci? Alors, je vous explique un peu comment ça va se passer. Lundi, on va créer notre nouveau challenge sur Île Paradisiaque. Parce que, avec les infos qu'on a, etc., sachant que moi je me suis pas spoil, j'ai pas regardé de let's play, d'autres vidéos ou quoi, parce que j'aime tellement découvrir par moi-même que j'ai pas envie de le découvrir en vidéo. Du coup, avec les infos dont je suis déjà au courant, il y a moyen de se faire un petit let's play, un petit challenge tranquille ou bilou sympathique, tu vois. Donc, lundi, on va voir pour se préparer un challenge sympatoche. Le vendredi, ce sera la sortie du coup de la donne, donc on va se tester en live. Je pense que je ferai un live vendredi, un live samedi. Il y a des fortes chances pour marquer un peu la sortie. Alors, je sais pas si le challenge Île Paradisiaque on le met le lundi ou le vendredi. On le fera pas, session, on le fera pas deux fois par semaine parce que sinon, moi ça me saoule un peu. Tu vois, j'aime bien changer. Et sinon, je pense que pour le deuxième let's play qu'on va se faire, ce sera extraterrestre. Parce que ça vous avait bien tenté de faire un truc extraterrestre et j'aimerais trop voir les extraterrestres. Enfin, on partirait sur Sulani du coup. Et donc, il y aurait peut-être moyen, je sais pas, voir en fonction du trait de terrain ce que ça pourrait donner. Parce que on m'a dit en fait qu'il y a un des traits du terrain. Moi, j'ai traduit ça par hors réseau, donc pas d'internet, pas d'internet. Et on m'a dit que c'était pas forcément par internet, mais c'était pas de l'électricité et pas d'eau. Auquel cas, je me dis, putain, si les extraterrestres ils arrivent sur une île déserte où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, alors qu'ils ont envie d'utiliser une fusée et tout, ce serait marrant, tu vois, à tester. Donc je me dis, on va pouvoir réutiliser et en découvrir un peu plus du coup sur la donne. Et nous, s'éclater un petit peu dans la joie et la bonne humeur. Du coup, voilà, on partirait sur ça. Au taquet, Niska the best. Yes, a new let's play. Ah, mais ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, Davox, loulou. Tu sais, des fois, je me dis, genre, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est genre. Puis des fois vous réapparaissez comme ça. Je suis genre coucou. Merci Davox! Merci beaucoup! Qu'on ait tiré les gens. Doucement, sœur, hein? Ah, c'est compliqué la vie, hein? Salut ma Charlotte, comment ça va? Oh là là, ma louloute! Oh là là, vous avez pas aidé, la vie c'est dur. J'ai Stram sur un de mes sièges, j'ai Kona sur le canap, oh, je vous jure. Et franchement, des fois, genre, je les déteste. Parce que je dis, ils ont une vie trop posée, ils ont une bonne vie. Tu vois, et moi je suis là, genre, il doit aller travailler, il doit bosser sur mes montages, il doit corriger mon roman. Je suis là, genre. C'est dur. Alors qu'ils sont trop bien, quoi. Tu achètes tes jeux sur Origin ou Master Gaming? Alors, je t'invite à checker la description. Tu swipes un tout petit peu et tu verras, tu vas acheter tes jeux PC moins cher. Instant Gaming. Voilà. Tu as ta réponse. C'est merveilleux, ça t'a pris une seconde. Ça t'a pris moins de temps de vérifier l'info que de taper ton message pour demander. Ça fait plaisir d'être sur un live. Oui, ça fait tellement plaisir. Salut Alizé, comment ça va? Salut Bubu! Ce sont des bienheureux tes chats. Mais oui, grave! Non, mais la vie de chat, quand tu as une bonne maison, c'est le pied. Bah ouais, c'est ça. Après, tu vois, si tu tombes sur une mauvaise maison, bon, c'est un peu la tristesse, tu vois. Mais! Il faut qu'elle aille travailler. Allez, va travailler! Mais c'est vrai que quand tu tombes sur une bonne maison, c'est la vie quand même, hein. Merci à tous ceux qui mettent un j'aime, vous êtes trop chou. Merci beaucoup. En plus, c'est vrai que j'ai remarqué que quand j'en parle en live, parce que je regarde pas trop les likes et dislikes, je sais que j'ai ma petite fanbase de rageux, donc j'avoue, je regarde pas les masses. Et c'est vrai que je vous incite jamais à liker, sauf à la fin de la vidéo, tout le monde a déjà quitté, bon.
Mais c'est vrai que quand j'en parle en live, genre en cours de live, genre merci pour les likes ou quoi, c'est vrai que sur ces lives-là, je vois une différence notable de nombre de likes. Il y en a souvent plus. Juste parce que j'en ai parlé, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas. C'est pas un truc que je fais. C'est pas trop dans mon ADN. En fait, moi, c'est pour ça aussi, je pense. Je me réfère beaucoup à mon expérience de propre vieweuse de personnes qui utilisent YouTube. Et moi, les YouTubeurs qui commencent leur vidéo en mode n'hésitez pas à vous abonner, on fait partie de la team, nanani nanana, n'hésitez pas à liker, ça me saoule. Ça me saoule. Je suis là, genre frère, je m'en bats les couilles. Mon like, je le mets que si j'ai envie de le mettre, ok? Alors t'arrêtes, tu me prends pas le chou comme ça. J'ai pas envie de m'abonner à ta chaîne, j'ai pas envie de m'abonner à ta chaîne, ok? J'ai pas forcément envie de voir toutes tes vidéos, d'être floudée. Parler des contenus qui m'intéressent que de temps en temps. Donc stop, stop, avec les abonnements, stop, avec les j'aime. Moi ça me saoule, tu vois, en tant que vieweuse. Du coup, c'est vrai que c'est un truc en fait que je fais pas, enfin que j'incite pas trop parce que ben, moi ça m'énerve, ces incitations. Donc c'est vrai que du coup, c'est pas un truc que je fais. Mais c'est dommage, hein, parce que bon, bah c'est vrai que les likes. Alors maintenant, les algorithmes YouTube ont changé. Donc je suis pas sûre qu'ils prennent encore autant les likes en compte. Même si je pense que c'est un indicatif sûr de savoir si une vidéo a bien fonctionné. D'ailleurs, c'est des choses que je le vois, c'est sur les vidéos Sims. Des fois, j'ai des vidéos en fait qui vont vraiment plus fonctionner en termes de likes. Et c'est vrai que des fois, les vidéos elles font pas des super démarrages. Bon, je sais jamais si c'est à cause des notifications ou pas. Mais des fois, elles font des démarrages un peu blop, tu vois, pas foufou. Mais. Avec le nombre de likes, elle va faire. Enfin, je sens la différence entre. Oh, ça marche tranquille, tout doux, tu vois. Beaucoup de likes, je sens que elle est plus mise en avant. Alors, peut-être dans les recommandations, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, je sens bien. Je sens vraiment une différence. Notable, en tout cas. Et bon, ça, c'est des trucs où, tu vois. Faut regarder. Faut checker. Bon, je sais pas que ça va foutre, moi. Hein. Et t'es gentil, bro, j'ai une vie, quoi. Ah bah super, hein, comme d'habitude, il a balancé la bouffe. Le chien, je pense qu'il va encore se barrer, comme d'habitude. Mais parce que j'ai... Ah, mettre la laisse. Mais normalement, il y a aller promener. Pourquoi j'ai... Parce que je me souviens, j'avais mis la laisse et j'avais pas réussi à aller... Qu'est-ce qui ne va pas... Ah, courte promenade, j'ai vu! Oh, c'est parti. Fuck. Promenez, promenez. C'est ça. J'ai réussi, les gars. Ah, attendez, je vais relâcher El Bamberos. Courte promenade, voilà. C'est bon. On y arrive. Est-ce que je révise devant le live de Niska? C'est peut-être pas... Peut-être pas la meilleure idée que t'aies eue. Moi, c'est un truc que je vous conseille, sauf si tu fais tes fiches. Mais si tu veux vraiment réviser, révise pas avec une vidéo. Ça ne fonctionne pas. C'est comme écrire devant une série ou quoi. Moi, j'ai jamais réussi à écrire un de mes romans devant une série. C'est un mythe, ça. La musique, oui. Et encore, ça dépend de la musique. J'ai remarqué que si c'est une musique française que je ne connais pas, je vais écouter les paroles et donc en fait, je ne suis pas concentrée. Mais soit tu te mets à fond dans tes révisions, soit tu te mets devant ta vidéo, mais sinon. Tu seras ni sur l'un ni sur l'autre et au final tu vas être un peu frustré des deux. C'est un peu dommage. C'est trop chelou, en dessous de ton live, ça me propose que des VF ou des musiques Disney. Bah je t'invite à regarder le titre, Mulan, Princesse Disney. Ça paraît en fait plutôt logique d'avoir ça comme recommandation. Au contraire, moi je trouve pas, ça pas choquant du tout. Bon, ah, yes, il va au pot tout seul. Quel bonheur cet enfant. Par contre, il est comme ses parents, il vit la nuit maintenant ce gosse. Hein. Bon, c'est bon, on n'a pas de travail parce que j'avais la flemme de faire travailler Triton. Oh, je devais la faire travailler dur, goddammit. Bah ouais, c'est pour ça qu'elle a pas de promotion aussi, je suis concon, moi. Yes! Il s'est bien fait plaisir avec le pot. Ah, mais tu t'es raté, ça arrive, écoute. C'est pas grave, hein. On n'a pas tous réussi du premier coup, hein. Mais j'ai pas envie de la nourriture gâtée avec Mumu. Ça me choque.
Je suis choquée. On va faire des sandwichs au fromage fondu, on est sûr de pas rater. Je m'ennuyais, j'ai vu ton live, j'ai sauté de joie. Ah! C'est vrai ça. Genre, plus jeune, parce que c'est vrai que maintenant j'ai plein de trucs à faire. Donc généralement ça m'arrive moins. Mais genre, tu t'ennuies. Et là, une vidéo genre d'un youtubeur que t'aimes. Et là, t'es là, genre, oui! Non, mais Tri-Tri, commence pas à nettoyer tous les trucs. On n'a pas fini. C'est vrai que c'était cool pour ça. J'arrive pas à faire deux choses en même temps, même dessiner, regarder une série. Ah ouais? Moi, ça, par contre, dessiner, ça. Comme mes talents sont minimes, ça va, j'ai pas de mal. Mais il a pas nettoyé le pot. Vous voyez, il y a des actions, je sais pas, elles partent en vacances. Il y en a qui sont déjà sur une île paradisiaque, on n'est pas prévenu. Super, merci les gars. Je sais pas pourquoi aussi il met toujours ça là. Hop. Voilà, mange. Mumu, elle va rentrer, tu sais. Leur fils, il sera moins fatigué que deux réunis, quoi. Bon, ça va aller, commence à être un peu claquos, le gosse. Mais elle a pas revenu avec une promotion, c'est une blague! Le monde se fout de nous, hein, les enfants, par contre, hein. On est bien d'accord. Regardez, là, elle est en excellente. C'est chaud. On va essayer d'avoir le niveau 9, hein, mais on n'aura pas le niveau 10, ça, maintenant, c'est sûr. Ça va, j'arrive à faire deux choses en même temps. Comme là, cet après-midi, j'avais prof qui parlait de révision et tout à côté, ma pote qui arrêtait pas de m'embêter. Mais ça, c'est pas réellement faire deux choses à la fois. Ça, c'est être élève, ça. Ça ne compte pas. Hop! Explorer les étoiles, tout juste commencé. Super. Elle est trop fatiguée. Elle a envie de se coucher. Très bien. Le gosse, il est. Le gosse, il fait dodo. Mumu. Mumu, elle va manger. Mais non, t'endors pas. L'inspiration, elle vivra plus longtemps. L'aspiration, peut-être que l'inspiration, parce qu'elle peut, je pense qu'elle peut inspirer et expirer, mais ça changera pas grand-chose. Oh non, c'est la fête de l'hiver. C'est férié. Oh god damn it. Ouais, c'est jouer aux Sims avec une vidéo. Souvent, je finis concentrée dans la vidéo et les Sims font leur vie pépère. Ça dépend. Si je joue, alors en même temps, je joue pas pour le plaisir en fait sur les Sims, parce que comme je stream pas mal, je fais des vidéos dessus. Je ressens pas le besoin de jouer plus, tu vois. Mais sinon, quand j'étais plus jeune, ça je pouvais. Ça je pouvais. Je pouvais faire les deux. Un truc que j'aime bien, que j'arrive plus ou moins à faire, ça dépend quoi. Ça dépend quelle vidéo je regarde et je monte, mais je peux faire du montage en regardant une vidéo. Mais ça dépend vraiment de ce que je vais faire. Genre les vidéos Sims, non, je regarde pas autre chose à côté. Parce que sinon, c'est généralement ces vidéos en fait où je fais le plus de montage, où je supprime le plus de choses. Et en fait, bah, il faut que je sois au taquet un peu, quoi. Allez! On va lui mettre de l'eau, comme ça, en fait, j'ai remarqué. Si vos bambins, ils balancent tout le temps la bouffe, comme Shang le fait sans cesse, mettez-lui d'abord un verre d'eau, tu vois, pour qu'en fait, il remplisse un petit peu sa faim et qu'il évite de balancer la bouffe, parce qu'il a trop la dalle, en fait. Bon, par contre, j'aimerais bien que les parents écoutent un peu ce que je dis là. Hein. À chaque fois, ils font n'importe quoi, mes parents. Ils me saoulent. Ça va finir par balancer, c'est encore son petit bol là. Je sais pas si Shang il a réussi à faire un. Oh my god. Premier repas où il ne balance pas ça à côté. C'est épique. Ça nous est déjà encore jamais arrivé, je crois. Tu peux quand même travailler pendant un jour férié. Je pense, mais je sais plus lequel. Des fois, ça, c'est un peu chiant. Posé dans son canapé tranquille devant ton live dans mon appart, le pied. Oui, ça c'est très. C'est génial quand c'est comme ça. Genre, tu te sens chez toi. Là, moi je vous dis. Alors, je sais pas si vous trouvez que le son il a changé. Parce qu'en fait, je vous explique. J'ai enfin rangé, genre, ma pièce. En gros, ici. J'ai mon salon, en fait, ma salle à manger. Et j'ai vraiment tout rangé. Et j'ai enlevé notamment un autre meuble que mon oncle m'avait filé. Mais en fait, je lui avais dit non, j'en voulais pas. Bref, il me l'a filé quand même. Et je l'ai enlevé, je l'ai changé de place. Et je trouve que ça résonne maintenant. Et j'étais là genre,
Attends, un meuble en plus, c'est du bordel. Ça résonnait pas, j'ai rangé, ça résonne. J'étais là, genre. C'est une blague, quoi. Donc, mais là, c'est vrai. Je suis pas peu fière de cette pièce. Bon, maintenant, il faut que je refasse mon entrée. La cuisine, je pense que je la bougerai pas parce que j'ai mis plein de meubles et autres. Parce que j'ai besoin de rangement. Donc, la cuisine, à mon avis, elle va rester comme ça. Je m'en fous qu'elle soit un peu dégueulasse. C'est une cuisine. Je fais que cuisiner là-dedans. Donc, c'est pas très gênant. Et du coup, mon entrée, et j'aimerais bien refaire ma chambre. En termes de meubles, c'est bon, j'ai tout. J'ai mon lit, mon cadre de lit, mes tables de chevet. Je me suis acheté mon armoire, ça y est. Mais c'est en déco un petit peu que j'ai envie de faire des efforts là. Mais voilà, petit à petit, faut pas être pressé en fait. Moi, j'ai emménagé en novembre. Vous voyez, on arrive, on est mi-juin. Et je commence que maintenant à avoir un intérieur qui me ressemble. Que maintenant. Déjà parce que j'ai eu plein de soucis de salaire, ce qui n'aide pas non plus à acheter de la déco. Hein. Déjà, t'essayes de payer ton loyer et de manger, c'est pas mal. Et ensuite, parce que bah, t'es pas trop la priorité de mes achats, quoi. C'est vrai que dès que tu peux un peu te faire plaisir, mais faut pas être pressé. Le mieux, c'est d'attendre parce que des fois, la mode, des fois, tu craques sur des trucs et tout. Tu te dis, ah, ça peut être sympa et tout, mais tu réfléchis un peu plus en détail, tu vois, tu craques pas tout de suite. Tu réfléchis, tu te dis, ah ouais, non, en fait, ça va pas le faire. Et voilà, t'as économisé des sous. En plein meuble de cuisine. Ah, moi ça va, les meubles de cuisine. En fait, j'en avais déjà acheté un qui date de mes précédents apparts. Mais en fait, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon oncle. J'ai perdu une de mes vis. Donc en gros, j'avais une des portes qui pouvait plus se visser. J'étais là, genre, j'ai qu'une seule porte. Du coup, j'ai enlevé les deux portes et comme ça, j'ai accès plus facilement au truc. Et un meuble qui avait appartenu à mon ex, mais qu'il m'a revendu. Et c'était un meuble à chaussures pareil. Il avait des portes. Et comme on l'avait transformé en meuble à chaussures, on avait enlevé les portes et finalement je l'ai laissé comme ça pour avoir accès plus facilement pareil à tous les trucs. Et ma foi c'est plutôt simple. Là comme ça c'est plutôt pas mal. Mais les meubles de cuisine c'est les trucs qui m'avaient coûté le moins cher, quoi. Merci Lancia pour la vidéo cuisine. T'es pas la seule à m'avoir fait des compliments dessus, sache-le. Merci beaucoup. Merci Davis. Ça va? Quoi de prévu cet été? Des petites vacances? Bah là, aujourd'hui même, j'ai pris mes billets d'avion. Je pars 2 semaines à Montpellier. Donc je pars le 31, le jour de mon anniversaire, 31 juillet. Et je reviens le 14 août. Et ce qui est bien, c'est que le lendemain, le 15, c'est férié. Du coup, je rentre. J'ai un petit jour pour me reposer. Et je me demande si je vais pas poser carrément. Attendez, le 15, c'est quel jour? C'est pas un jeudi, ça? C'est une vieille date nulle, je crois. Alors. Attendez, je vais vous dire ça. Alors, août, le 15, c'est un jeudi. Oh bah ouais, carrément, je vais poser mon vendredi. Je pense que je vais aussi poser du coup mon vendredi, tranquillou. Comme ça, je vais me faire 3 semaines. Oh, le bonheur! J'aime bien quand ça se passe comme ça. Hop! Donner un bain aux marmots. Voilà. Donc voilà, là j'ai prévu 2 semaines à Montpellier. Pendant, il y a une journée en fait qui est programmée où je vais voir une copine. Et puis après, je sais pas encore ce que je vais faire à Montpellier. J'ai une de mes très vieilles amies, je pense que ça fait 10 ans maintenant qu'on se connaît, qui est photographe. Et de ce que j'ai pu voir sur Instagram, elle s'est associée en fait à une agence en tant que photographe. Et du coup, j'aimerais bien la payer en fait et voir pour faire une séance photo. Je voulais faire ça l'année dernière, mais ça s'est pas fait. J'ai voulu faire ça cet hiver, mais ça s'est pas fait non plus. Et là, je me dis, je vais m'offrir comme cadeau une vraie séance photo du coup. Une vraie de vraie. Parce que du coup, elle a le studio, donc elle a le matos pour et tout, donc c'est trop cool quoi. D'ailleurs, c'était bon le fond de la tarte avec la moutarde à l'ancienne, tu m'as donné grave envie. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Je pense que j'aurais pu en mettre un peu plus. J'ai voulu tester et tout, mais c'était vraiment pas mal. Mais c'est chiant à étaler. Par contre, ça, on t'en. Qu'est-ce qu'il a, Koda? Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai un bout qui part. Qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, ouais, c'était bon. C'était sympa. Je trouvais que ça changeait un petit peu le goût. Pas trop, tu sais, mais un petit peu quand même. C'était sympathique. Donc ouais, je te recommande si jamais t'as envie de tester un petit truc, t'as envie de changement dans ta vie. C'était pas mal.
Faut que j'aille regarder ta vidéo, Miam. Mais j'avais pas reçu la notif. Ah! J'ai l'impression que les notifs, c'est toujours un sacré bordel. Écoutez, moi j'ai arrêté de chercher à comprendre maintenant. Je laisse. Eh, mais! Allez au travail, mon petit! T'as la bourre? C'est chaud, hein. Je pense qu'on arrive. Bien net, c'est bien si on arrive au niveau 9. Hein. On a augmenté de 3 niveaux, on sera content. Qu'est-ce qu'il y a, Koda? Il va roucouler là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Loulou. J'ai l'impression qu'il miaule, c'est juste pour que je lui réponde. Le petit marmot. Ça va. Il s'en sort. Qu'est-ce qu'il y a, Koda? Je sais pas si vous l'entendez, il roucoulette. Faudra que je teste. Franchement, c'est sympa. Ça révolutionnera pas ta tarte, mais pour un petit peu de changement, tranquille, tu vois. Confirme que je n'ai pas eu la notif pour la vidéo Miam. Ah, YouTube, quel bonheur. Quel plaisir, j'adore cette plateforme. Un Koda qui miaule à la mort, je sais pas si vous l'entendez. Bonnes vacances à toi. C'est quand même dans un mois et demi. Calmez-vous. S'il vous plaît. Oh, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps, mais tu vois, d'avoir choisi mes dates parce que moi je suis dans une toute petite boîte. En gros, mon patron m'a dit tu fais comme tu veux, tu te débrouilles. Donc, du coup, comme c'est moi qui vérifie, qui m'occupe de faire les infos pour tout ce qui est fiches de paie et tout, en gros, clairement, je vais mettre moi-même, tu vois. Et du coup, bon, là, moi, j'ai ma date. Comme ça, j'aurai ma petite, mon petit truc, ma petite carotte pour tenir cet été. Oh, le Papa Noël! Papa Noël! Papa Noël! J'ai la main qui part en couille! Il doit penser que tu lui causes. Non, 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 il fait ça tout le temps. Surtout le soir. Ah! Petit frère est pas d'accord. Non, il miaule beaucoup comme ça, Koda. Énormément. Demander un cadeau. Aider à améliorer la relation Annabelle. Parler à l'inconnu. Inviter à apprendre à aller sur le pot. Un chandelier? C'est nul comme cadeau. Montpellier, c'est un joli coin en plus. J'aime pas du tout cette ville. Je le fais. Je suis arrivée à quel âge? Je crois que j'avais 9 ans quand je suis arrivée à Montpellier. Je suis partie pour mes 18 ans. 18 ans et un mois. Ciao, bambinos, les parents. Je suis pas à l'autre bout du monde. Non, à l'autre bout de la France déjà. Mais j'ai jamais aimé Montpellier. C'était la période d'adolescence. Pas une ville que je trouve. En fait, je trouve que Montpellier, c'est une des plus petites villes des grandes villes, tu vois. En gros. Je trouve que c'est assez petit et la mentalité très sudiste à mon goût ne m'a jamais plu. Donc non, je suis pas très fan de Montpellier. Pas pour rien que je suis partie loin. Et qu'en vrai, j'ai pas forcément envie de retourner dans le sud pour ça. Parce que je me suis posé la question, genre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans le sud? Est-ce que je reste dans le nord? Je connais pas trop. J'ai tous mes potes dans le nord et tout, mais j'ai mon travail, mais c'est tout, tu vois. J'ai pas ma famille. Je me suis posé la question, mais bon. Fraîche et mam. Je préfère le nord. Allez, donne-moi des cadeaux! J'espère qu'il va avoir un beau cadeau. Hein. Allez, papy! Fais-nous rêver. Oh, il kiffe. Tu vas voir, ça va être un vieux truc nul. Un morceau d'argile. Ouais, je confirme, c'est nul. Super. Mère Noël, calmez-vous, hein. Dites donc. Elle doit avoir froid là, hein. Belette. Allez, on va coucher, elle marmito. Hop, voilà. Pour qu'il y ait un peu ça qui marche. Ouvrir des cadeaux. Bah, il a pas ouvert des cadeaux? Non, mon chapeau. C'est bizarre. Tant pis! C'est bon. Il n'y aura pas une fête horrible. Enfin, j'espère. Je suis un peu deg. Un morceau d'argile super. Ouais, non, c'est ça, genre. Oh! Quelle bonne idée. J'adore ma vie. Ah. Le Papa Noël est reparti. On va prendre les restes, hein, du coup.
J'ai oublié encore de la faire travailler dur. Bah ouais, mais c'est ça aussi, j'oublie toujours le principal. Je suis neuneu aussi. Ça aide pas. J'avance dans tes réflexions de futur propriétaire. Oh! Faut que je vous raconte. En fait, j'ai commencé à regarder un. Bon, ça va, ça s'est passé moyen. J'ai commencé à regarder genre les appartements neufs, tu vois, genre ceux qui sont même pas encore construits. Et donc tu les achètes sur plan. Alors déjà, il y a plusieurs trucs, hein, sur plan, voilà. J'ai donné mes coordonnées, plusieurs trucs, tu sais, parce que t'es obligé de passer pour donner tes coordonnées, pour avoir des informations supplémentaires. Et donc le lendemain, j'ai un mec qui m'appelle et tout. Pour moi, c'était un promoteur, donc la personne qui s'occupe en gros de gérer la construction de l'immeuble. En fait, c'est pas un promoteur, c'est un. Attendez. Il m'a donné sa carte de visite. Parce que du coup, hier, il est passé à la maison. C'est pour ça d'ailleurs que mon appart est rangé. Hein. Mes potes, je fais même pas l'effort de ranger. C'est un business developer, conseiller en investissement financier. Et donc, du coup, il avait un petit carnet, tu vois. Et il a coché mes petites coordonnées, genre mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone, ce que je recherche, combien je gagne et du coup à combien je peux prétendre pour un prêt, tutti quanti, tu vois. Et donc il m'a dit, bon, on verra un petit peu sur quoi. On verra un petit peu sur ce que je peux avoir, ce que je peux vous proposer. Il m'a demandé aussi les villes que vous cherchez et tout. Je sais pas si vous entendez Koda. Koda! Bah qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, on est là! Bah viens! Je sais pas si vous l'entendez, il pleure, il fait de la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Bah viens! Bah alors! Ah, il me fait mal au cœur quand il miaule comme ça. On l'entend bien, vous voyez? Il pleure fort, hein. Et ça, j'adore quand il fait ça, genre à 3 h du matin. Un grand bonheur. Koda! Viens, loulou! Mais c'est Stravoui qui vient! Mais tu t'appelles pas Koda, toi! Tu t'appelles Strav! Morue! Ça, je crois qu'il s'est calmé. On l'entend fort. Et encore, là, il est dans la chambre. Hein. Il est même pas dans la même pièce. Hein. Mais le micro, on entend bien. Mais ouais. Du coup, j'ai un monsieur qui passait hier à la maison et tout. J'étais là, genre. Bon. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, de toute façon, il m'a dit là, je vous présente les projets, etc. Il m'a dit qu'est-ce que vous voulez impérativement et tout. Le budget max que j'étais prêt à avoir, enfin à mettre. Et puis voilà. Là, normalement, il me recontacte début de semaine en fonction, pour voir hein, ce que je peux prétendre. Mais bon, j'ai appelé mon papa avant. Putain, mon père, comment il m'a découragé. J'étais là, je riais. Parce qu'en fait, il m'a dit, alors, tu veux acheter? Il m'a dit, t'as un apport de combien? Tu vois, moi, j'étais pas un peu fière, j'étais là, genre, bah, 10 000 euros, tu vois. Il me fait, oh, bah, c'est rien, ça. Limite, il dit que t'en as pas. J'étais là, alors, mais papa, wesh, j'ai 23 ans, c'est bien, 10 000 euros, quand même, tu vois. J'étais là, alors. Il m'a dit, bref, non, pour une maison, ça sert à rien, quoi. C'est des peccadilles. J'étais là, alors, ah, d'accord. Et en fait, plus loin dans la conversation, il me dit, bah, moi, tu vois, avec ta mère, pour la maison, on avait 80 000 euros d'apport. J'étais là, genre. Ah oui, c'est vrai que je fais un peu pitié du coup avec mes 10K. Du coup, j'étais là, genre. Ah, très bien. Alors, du coup, il me dit, bon, alors le prêt, oublie pas que t'as les impôts fonciers à payer en plus. Là, tu payes actuellement une assurance, en gros, pour tes meubles. Mais il m'a dit, quand t'es propriétaire, il faut une assurance aussi pour les murs. Il m'a dit, il y a une assurance pour le crédit. Je fais, comment ça, il y a une assurance pour le prêt? Il me fait, bah oui, si jamais tu décèdes. J'étais là, genre. Ah, ok, ouais, j'avais pas pensé à ça, hein, c'est vrai, c'est vrai. Il me dit, il faut que tu fasses gaffe aussi aux frais de notaire, hein. J'étais là, genre. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon chien? J'étais là, genre. Je crois que je ne deviendrai pas propriétaire. En gros, il m'a dit, je te déconseille maintenant de le faire. Il me fait attendre d'avoir un apport un peu plus sympathique. Et voilà. Avant, c'est vrai que l'apport devait être très important. Bah, c'est vrai, il m'a dit maintenant, tu peux avoir des prêts en fonction de. Même si t'as pas d'apport maintenant.
Mais pareil, aussi un truc qu'il m'a dit, il fait tes chèques à la banque, je lui donne ma banque, donc c'était la banque où ils étaient avant. Il fait ah bah ça t'oublies, eux ils font pas de prêt. En fait, techniquement ils en font, hein. Mais en fait, si tu veux, tu dois déjà avoir signé la promesse de vente pour prêter, pour juste demander un prêt dans ma banque. Tu vois? Alors normalement ça se fait avant, tu vois. Enfin, tu signes pas, tu t'engages pas pour une maison ou un appart si tu sais pas que t'as le crédit. Bah là, ça, ils font l'inverse exprès pour bloquer et éviter que les gens fassent les crédits chez eux. Parce que c'est à risque, évidemment, hein. Si jamais les gens ils remboursent pas, tu l'as dans le cul. Hein. Donc, du coup, il fait. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu changes de banque. J'étais là, genre, j'aime bien moi, ma banque, enfin, pas envie de changer, tu vois. Et il me fait, bah ouais, mais t'auras pas le choix, parce qu'en fait, les banques demandent, en fait, quand vous avez un prêt chez eux, à recevoir votre salaire sur le compte en banque où est prélevé le prêt. Ce qui est normal, hein, ça paraît un peu logique. Il fait, bah du coup, il va falloir que tu changes de. Va falloir que tu changes de banque. Il m'a dit, ça, tu vas voir, c'est l'angoisse. J'étais là, genre. Ah, super. Il m'a fait aussi passer, il m'a dit, nous on est passé chez meilleurtaux.com, parce qu'à ce moment-là, ils avaient un partenariat avec l'assurance qu'ils avaient et tout, bref. Un bordel, mais un bordel sans nom. Tché, j'ai fini, tu sais, j'étais là genre, ah, d'accord, merci papa, il fait, tu sais, il est en train de ricaner un peu bêtement, il fait, c'est pas pour te décourager, mais bon, il me dit, il faut savoir dans quoi tu t'engages, quoi. J'étais alors, ah voilà, je sais bien dans quoi je m'engage là. Voilà, hein? Et du coup, il me dit, mais après, c'est plus simple quand t'es en couple. J'ai fait, ouais, non, non, non. J'ai fait, non, non, moi, je veux juste mon nom sur le bail. Putain, petit frère, je vais le défoncer. J'ai fait, non, non, je veux juste mon nom. Et en gros, comme ça, si je suis en couple et qu'à un moment, le mec me fait chier, il prend ses clics et ses claques et il dégage. Hein? Je me suis fait enculer une fois, pas deux. Et donc il fait bah ouais, il me fait je comprends totalement. Il me dit je suis très fière de toi pour ça d'ailleurs. Hein. J'étais alors oh papa. Mais il m'a dit bah voilà, t'es tout seul à gérer, c'est plus compliqué quoi. Une assurance au cas où tu meurs, les banques elles sont toujours directes. Bon, je pense pas que le banquier te le dise comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, ouais. Ils te diront en cas de décès. Sont moins avantageux parfois. Bah il m'a dit que je risquais de payer un peu plus quoi, en intérêt quoi. Donc bon, c'est à voir. Pareil, il m'a dit dans ton apport, faut pas que tu mettes toutes tes économies. Il me fait parce que si t'arrives des conneries, pareil. Il me dit bah là en plus ta boîte, voilà, c'est pas folichon. Il me dit il faudrait que minimum t'aies de sous de côté, t'aies au minimum un an de loyer pour tenir. J'étais là genre, je sais, imagine mon prêt il fait 500 balles sur 12 mois, ça pique où ça quand même Grave, toujours avoir son nom sur les papiers. Ouais, bah là. Je t'avoue que je ne ferai plus trop les mêmes erreurs, hein. Mais bon, hein. Il faut que jeunesse se fasse. Des choses qui arrivent, ma foi. Mais ouais, là, c'est sûr. De toute façon, même quand j'étais encore en couple, je voulais juste avoir mon nom sur l'appartement. Mon ex l'avait très mal pris, évidemment. Mais je lui avais dit non, j'ai pas envie d'avoir quelque chose avec toi. Il fait bah. Normalement, un couple, on fait les choses ensemble et tout. J'ai fait oui, enfin, il n'y a que moi qui ai un travail régulier. Je pense que j'ai envie d'avoir juste mon nom sur les papiers. J'ai encore plus mal pris après ça. Ah, bah en même temps, excuse-moi, t'es chômeur, hein, mais bon. Peut-être pas envie que ton nom apparaisse alors que c'est Bibi qui paye tous les mois, hein. Mais bon, du coup, ça s'est pas fait. Ton bambin a froid. Oh, mais ça le forme. C'est bien. Ça lui apprend la vie. Qu'est-ce qu'il croit? Hop! C'est vrai que la porte, elle est peut-être un peu ouverte, cette porte. C'est vrai que maintenant, je m'en rends compte. En plus, ils sont riches. Oh, putain, je suis vraiment. C'est vrai que je peux me permettre de leur acheter un petit thermostat quand même. On n'est pas des bêtes! Thermostat, bonjour! Voilà. Ah, ne peut pas croiser d'autres objets. Super. Tout, 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 tout. Voilà. Ah, on va le mettre là. Plus chaud, coûte plus cher, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est bambinos. C'est moi qui rapporte l'étude, c'est mon nom sur les papiers. Bah c'est normal, wesh! L'autre il fout rien et glande, il joue à Fortnite. T'as cru aller récupérer les bénéfices de ce que moi, je paye? No way, bitch, hein. Ça se passe pas comme ça. Ça fait rire mon père en tout cas. On va relâcher El Bambinos. On va partir sur donner un petit bain au chien. C'est bien parce que normalement je devrais juste m'occuper de Mulan et je m'occupe plus de mes autres Sims que de Mulan. Tu m'étonnes que j'arrive pas à remplir mon challenge après.
Elle bosse aujourd'hui ou pas? Travaille dans 2 jours. Ah, pas du tout. Super. On va nettoyer ça. Tais-toi, Mélo. Tu me saoules un peu. Cette poubelle est vide. Bravo. Avec la porte ouverte, tu as chauffé les araignées. Eh ben, les araignées sont heureuses comme ça chez nous. Là, on voit pas, mais en fait, il y a plein d'araignées là. Elles vivent leur vie, elles sont contentes. Dommage que l'on ne puisse pas faire Motherlode sur notre compte en banque. Bah, si on pouvait tous faire Motherlode, auquel cas, l'argent serait caduque. Et donc, on reviendrait à un autre mode de fonctionnement pour qu'il y ait forcément une hiérarchie en termes de population. C'est obligé, les enfants. Bon, Mubu, je pense qu'elle va réussir à passer son niveau 7. Bon, le niveau 9 s'éloigne petit à petit, hein, je vais pas vous mentir. Plus l'heure passe et plus je me rends compte que non. C'est dommage, on était vraiment proche de la fin du challenge. Mais bon, en même temps, bah, je vous parle, j'anime un petit peu. Bah, t'es pas nettoyé, toi! Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a tout le temps chouinassé comme ça, là. Ah, mais il lui parle, en fait, pardon. Pardon, j'ai cru que tu faisais un caprice. Je sais pas, hein. Franchement, le caprice, je me tâte. Hop! Allez! Comme d'habitude, on va laver le chien. Ah! Toi, t'as fait une connerie! Discipliné! Ah, ça doit dater d'il y a un moment parce que je peux même plus l'engueuler. Très bien! Bon, Mimu, ça va comment? C'est bien, elle va passer son petit niveau 7 au KLM. Elle est où, mon gosse? Ah, bah, ils vont faire leur cours de cartes dans la salle de bain. C'est moi aussi bloqué. Tout le monde y est bloqué? Mimu, t'es bloqué? Attendez, je vais sauvegarder ça, peut-être le débloquer. C'est toi qui as fait ça, mais maman, c'était il y a 5 ans. Moi, en plus, je serais le genre de daronne à dire, c'est pas grave, tu vas te faire engueuler quand même. Me laissez pas devenir maman. Non, en vrai, je pense que je serais cool. Enfin, j'espère que je serais cool comme maman. Le niveau 8! Elle pue la chaussette! Ah, bicyclette! Je suis énervée ce soir. Mais bon. Je pense qu'il vaut mieux que je sois énervée parce qu'à mon avis, demain je vais pleurer pour les réparations de la voiture. Je prie tellement fort pour que ce soit rien. Et je me dis, genre, en 15 minutes de course, ça a eu le temps de fuir. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. C'est bien. Je venais de toucher mon salaire. La tristesse est présente. Non, mais ça va, il me restait un bout de salaire que je n'avais pas touché et je vais le toucher là. Donc au pire, ça paiera mes réparations. Eh, il fallait que je fasse ma révision de voiture et tout. Oh là là. Combien ça va me coûter tout ça? Je sais pas trop. J'ai un peu peur. Bah Mimu, repose-toi, Bru. Hein, 18h30, elle est déjà fatiguée. Hein. La vieillesse est présente quand même. Hein. Le gosse, je sens qu'il va me balancer, mais comme Jaja, son petit bol. Je le sens là, il est prêt à balancer les céréales. C'est le chien qui va manger les céréales. Non! Ça va, il a pas balancé. Je sais pas, il a grandi, parce qu'avant, quand il était petit, il balançait tout le temps. Vive les voitures et leurs réparations. Chercher l'horreur. En même temps, ça, c'est ce que je trouve, on te dit pas en tant que jeune permis. Une voiture, c'est la liberté. Mais c'est aussi beaucoup de frais. En fait, t'achètes une voiture. Il faut déjà se préparer mentalement au-delà de l'achat, hein, de l'assurance et de l'essence que tu payes, à prévoir tes futures réparations. Et ça, il y a beaucoup de monde en fait qui prévoit pas assez les réparations de leur voiture. Sachant que moi, la Clio, je pense que j'ai mes pneus. Mes pneus avant, il faudrait que je les refasse. Hein. Je les renforce en vrai. Je les regonfle. Oh, je demanderai au garagiste demain s'il peut pas me faire ça. Je sortirai mes petits yeux de biche. Je suis une fille, je ne sais pas faire. Hop! Pour une fois que ça sert d'être une gonzesse, faut bien qu'on s'en serve un petit peu. Mais ouais.
Faut que je remette du gaz dans ma clim aussi. Ça fait quand même 3 ans que j'ai plus de gaz dans ma clim parce que mon ex qui gérait la Clio avait la flemme. J'étais vraiment avec un glandu quand même. C'est où je m'en rends compte, tu sais. Une fois que t'as passé les trucs, tu te dis putain, quand même. C'est pas normal. Bon appétit, Alizé! Hop. Tiens, toi tu vas courir. Bim. Ça me paraît compliqué pour qu'elle y arrive. Hein. 44. Hein. On va essayer avant ce soir pour qu'elle y arrive au niveau 50. Pas au niveau, mais voyez au pourcentage. 58% effectué, c'est merveilleux. Bim. Allez, fais dodo. Tout le monde au lit. Voilà. C'était ton premier amour avec ton ex? Non, c'était le deuxième, mais le premier, c'est une relation longue distance. Je n'avais pas, disons, vécu avec un autre homme. Pour ça, ça a été mon premier, on va dire. Oh non, le chien est malade. Ouais, mais là, on a 10 minutes de la fin de l'épisode, donc le chien va rester malade, donc je vous préviens. Dis-toi que je peux plus ouvrir ma portière conducteur de l'intérieur pour le moment. Je dois ouvrir ma fenêtre et passer la main pour tirer la poignée extérieure. Je suis désolée, mais je trouve ça un peu drôle quand même, Charles. Oh non, c'est un problème des fois, c'est des trucs à la con, ça. Ah, hein. Oh, mais c'est pas possible, c'est aussi cassé, là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Tout le temps cassé dans cette baraque, ou... Je vais faire méditer, parce que du coup, ça fait pas de sport. Et du coup, elle pue pas à la fin de sa méditation. Ah, bah ça y est, le gosse a réveillé tout le monde. Donnez à bouillir du jus de pomme. Allez! Eh ben j'arrive, 2 minutes! Hop! Mumu! Prendre les restes. Allez! On va y arriver à notre niveau 9. J'y crois. I believe I can fly, les enfants. J'aimerais bien cliquer sur réparer. Voilà, sur réparer. C'est parfaitement ridicule. La dernière fois, en allant faire de l'essence, tout le monde m'a regardé. Moi, c'était la Mégane. En fait, il y avait un faux contact dans les fils et du coup, la vitre électrique ne descendait plus. Du coup, quand je me suis retrouvée sur l'autoroute à devoir prendre mon petit ticket, ou même genre pour le drive pour aller au McDo, tu vois, tu passes vraiment pour un con. Ouvrir ta porte, récupérer ton truc, fermer ta porte, poser ton truc et repartir. Ah bah là, tu passes pas pour quelqu'un de futé, hein, je vais pas vous le cacher. Hein. Mais pourquoi elle a pas mangé? Mumu, t'es chiante, hein, t'écoutes pas ce que je dis. Hein. Ils font trop les rebelles, mes Sims, je trouve, dans ce let's play là. Ça va pas du tout. Et là, évidemment, il va bien réparer. Hop, nettoyer, essuyer. Balayer, sticker. Bah, il prend jamais le petit truc de... Le petit biberon, là. On va pas du tout. Oh là là! Que diable, qu'est-ce que c'est que ça? Non, on ne fait pas ça, petit. C'est dégueulasse. Allez, salut, hasta la vista, Bobby. Tu as déjà eu le paradisiaque? Je pense bien que si je l'avais déjà, je serais pas en train de streamer ça. Hein. Du coup, les pains au chocolat, ça avance. Oui! On est passé au millefeuille depuis. Oui. Bon, par contre, lundi, il y aura pas de nouvelles news sur Twitch. Je suis désolée de vous apprendre. Mais le lundi d'après, il devrait normalement y avoir des nouveaux trucs. Hop, yes, elle va passer niveau 9. Ah ouais, le chien a vraiment vomito partout, hein. C'est chaud. Hop!
Papa, il va tout nettoyer là parce que c'est un peu le bins dans la maison. Ouais, il y avait des traces partout en fait de vomi. Hein. Voilà. Mumu, ça y est là. Le niveau 9 est là. Il est presque atteint. Ça va, juste avant la fin de l'épisode. On a réussi notre mini-objectif. C'était chaud quand même, on avait mis pas mal de trucs. Hein. On a bien géré. Je trouve qu'on a bien géré parce qu'on a fait quand même tous les trucs un peu short quand même. On a fait la compétence fitness niveau 10. On a eu du coup le. On a eu Mouchou, on a eu Kriki, on a eu Petit Frère. Du coup, la maison type asiatique, on l'a faite. On a fait le bonsaï. Trois relations compliquées avec les hommes, ça avait été chiant un peu. Fantôme, trait de maison hanté. Apprentissage de toutes les recettes asiatiques. Et normalement, la durée de vie, elle est en moyenne. Sauf qu'en fait, la première partie de sa vie à Mumu, on l'a mis en durée courte. Donc, techniquement, ça va. On s'en sort vraiment pas mal. Hein. Je trouve qu'on peut être fier de nous pour ce let's play. Salut Sarah! Comment ça va? Oh, t'es trop cool! Faut que je t'envoie un SMS. Hop! Yes, elle a passé son niveau 9. Elle travaille? Parce que là, une petite promotion, là. Pour finir, ce serait nickel. 10%. Ça, par contre, on est foutu. Hein. Franchement, t'as bien géré pour ce display. Bah, je trouve que c'était pas dégueu. Franchement, on s'en est plutôt bien tiré, je trouve. Bon. Ah ouais, non, mais le chien, il vomit tout partout. C'est un scandale. Et papa là, wesh, tu crois que je t'ai pas vu là? Hé! Nettoie ça. Bah ouais, mais il est tout le temps en train de nettoyer les petites flaques et tout. C'est ça aussi. C'est moi, mais il est tout le temps en train de pleurnicher. Tiens, tu vas apprendre à parler. Comme ça, tu parles, tu pleureras en disant des mots. Comment on télécharge les Sims? Bah, tu les achètes. Et après, tu vas rentrer un code dans Origin. Tu rentres ton petit code. Et là, normalement, c'est automatique. Hein. Il va te dire, voulez-vous lancer le téléchargement automatique du jeu? Tu cliques sur oui. Et ça va se faire tout seul. Hop. Oh là, mais elle est en retard pour le travail! Personne ne me dit rien. Hop, allez, on va la faire travailler dur là. Parce que ce serait cool là. Quelle est sa petite promotion là? Regardez, excellent. Travailler dur. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut le marmot là? Bah, va faire pipi là. Au lieu d'embêter tout le monde. Voilà. Ah, il a marché dans le caca. J'aime toujours ça. Mon fils est où? Mon fils est encore en train de faire popo. Chut. Pourquoi il y a eu moins 5 là? C'est servi à manger? Bah non, pourtant. J'ai pas l'impression. C'est chelou! C'est des choses qui arrivent. Après, on va coucher le petit marmiteau. Bah non, mais moi je comprends pourquoi Anna elle a fait la remarque, hein, c'est pas normal. Hein. Tu sens tellement la personne qui veut se faire mousser, genre. Ça se repère à des kilomètres à la ronde, hein. On n'est pas con. D'accord. Papa ne peut pas aider. Des choses qui arrivent, ma foi. Chaque fois, il y a la nourriture gâtée. Ah ouais, le chien a vomi partout, punaise. Quelle angoisse. C'est bientôt l'anniversaire de Shang. Eh ben, on le saura jamais, je pense, parce que le let's play prend fin.
c'est vrai ça. Il s'en fout de mon daké puisqu'il salue Kniskalemodo. C'est vrai, c'est vrai. Très bonne déduction de la joueuse Anna. Servir le dîner. Macaroni au fromage. Pas tout fromage, ça c'est la vie. Oula. Ça va, Moru? Viens, mon petit. Allez, saute! Hé, avant tu sautais, hein? T'es devenue une princesse. Tu fais plus aucun effort. Allez, saute! Saute! Allez, Sram. Viens. Ah, bah, tu vois! C'est parce que tu manges trop. Grosse fesse, va. Hein? Toi, t'as pris du poids. Koda, il a maigri, toi, t'as pris. Faites un espèce de balancier, c'est ça? Alors qu'avant, c'était l'inverse. Toi, t'avais maigri et lui, il avait grossi. C'est ça, en fait. Il y a quelqu'un qui a l'avantage sur la bouffe et l'autre, du coup, j'ai l'impression il mange pas. Pour apporter la précision, clairement, c'est ce qu'on appelle faire de la lèche. Mais totalement! Et encore, tu restais poli, hein. Moi, c'est ce que j'appelle des suceurs. Voilà! Ça va, Moru? Oh, doucement avec le micro, on va pas faire un ASMR chat. Hein? Allez, viens. Viens, ma belette. Tu veux venir? Tu veux faire un câlin? Oh oui. Oh, ça sent le câlin. Ça sent le câlin, ça sent le câlin. Oh mon Dieu! Elle a une promotion! Alléluia! Alléluia! La 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 la! Premier au poste, censuré. Elle gagnera désormais 118 Sims Flows de plus par heure, soit 287 de l'heure au total. Elle a également gagné 3149 médailles, nouveaux vêtements. Sa prochaine journée commence à 18h, mais nous on ne le saura pas. Parce que c'est la fin de notre let's play. C'est dommage parce qu'on est au niveau 9. Mais de toute façon, on regarde des opérations secrètes. Censurée, prochaine promotion, Sims secrète. Bon, elle sera agent secret des agents secrets. Voilà. Doucement, Stram, doucement le micro, hein. Je sais que les gens ils t'aiment bien, mais doucement. Bah du coup, on est pas mal, hein. On aura presque réussi la promotion. Honnêtement, je pense que c'est un des seuls let's play où je suis allée aussi loin dans les promotions. Généralement, je m'arrête vers 5-6. C'est vrai que là, je suis allée quand même au niveau 9. Bon, c'est dommage, hein. Bien-être, on est presque arrivé, hein. On est à 33%, doucement Moru, hein. On est à 33% effectué, donc c'était pas loin, c'était vraiment pas loin en vrai, hein. Donc franchement, on peut être fiers de nous les enfants. Elle peut mourir en paix, Mumu. T'es toujours pas à la retraite en plus. C'est vrai qu'on est horrible avec elle, la pauvre. Mais on s'en sera bien sortis, je trouve. Je pense qu'on peut être très très fiers de nous. Donc là, bah, du coup lundi. On va préparer le challenge île paradisiaque. Je pense qu'on se fera aussi un espèce de live préparation de challenge pour les extraterrestres. On leur fera pas faire que aller sur Sixa, mais faire la fusée. On verra pour ajouter d'autres choses, ça pourrait être un peu sympatoche, quoi. Et puis voilà. Tiens, chérie la fourgère. Oh, merci les enfants, vous êtes trop choux. C'était genre, ouais, GG. Bon, encore un let's play qui n'est pas réussi à 100%, mais lui en même temps, on partait plus pour découvrir la carrière, découvrir un peu, juste un peu le truc, pas en mode challenge, tu vois. C'était en mode let's play, donc tranquille. Mais on a quand même bien réussi, je pense qu'on peut être fiers de nous. Strama, elle s'en bat la qu'elle veut des câlins, carrément. Elle s'en bat les couilles. Fais-moi des câlins, humain. Ah, bah ça y est. On a trouvé un bracelet d'Anna, on va jouer avec. C'est la pampie qui te plaît? Oh, la pampie, elle te plaît. Oh, la pampie, elle te plaît. Bah écoutez, pile poil 1 heure, c'est beau ça! En tout cas, j'espère vraiment que le let's play vous aura plu. J'aime bien parce que c'est pas trop trop long, ça nous évite de nous lasser en fait. Autrement, hein. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Du coup, lundi, on se retrouve à 18h30 sur YouTube. On fait 1 heure sur YouTube et puis après on partira pour une petite heure de Twitch. Donc sur Amour endiablé et sur Romance Stories. J'adore voir cette tête comme ça, elle me tue. Moi, je vais vous laisser là. Merci à tous ceux qui ont liké, qui commentent comme d'habitude, etc. Merci pour tout. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite un beau week-end. Profitez bien de votre week-end. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à lundi. Ciao, ciao!